Salut, c'est Partai. Pour commenter Combiné Lord Life. Combiné qui est dans cette saison 3. On va essayer de rouler bien, sachant que toujours un peu compliqué en commentant les virages, etc. de trouver. de ne pas faire d'erreur en fait. Voilà. Donc je vais essayer de parler efficacement. Ce qui n'est pas le moins de choses possible, mais essentiel. Devant, c'est Dado. Dado au passac. Allez, c'est parti. Tour lancé. Personne derrière. On est bien. On va freiner un peu avant le panneau 100. La partie que je connais la mieux. Là, on freine entre eux et deux cônes. On passe la 3. On réaccélère. Seconde. On prend l'intérieur bien. On réaccélère tôt. C'est pas la partie où je suis le meilleur parce que j'ai tendance à mieux connaître le North Life. On prend bien l'intérieur ici. On accélère bien. Faut bien sortir. Dado qui a l'air d'être en Audi. Ouais. Allez. Allez, allez. J'ai pas d'optique car j'ai mordu au dernier tour. Bien passer en 3 ici. Accélérer le plus tôt possible. Élargir. Seconde. Lécher à droite. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai merdé. Voilà. Pas trop mal, Dado qui est parti devant. Passer le second, c'est pas obligatoire. Ah, il prend beaucoup de temps sur moi ici. Pourtant, j'ai l'aileron en A. Il doit avoir un setup plus efficace et prendre de meilleures trajectoires que moi. On passe pas à la 5. Ah, on passe pas à la 6, pardon, on reste en 5. On accélère le plus tôt possible en léchant l'extérieur. 6. Voilà, on évite de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire mordre bêtement dans l'herbe, ça ne sert à rien. Allez, Dado, 3 secondes 9 devant, 4 secondes. On prend bien sur la gauche. On réaccélère à fond, on freine. On prend bien l'extérieur. On rechoppe à fond. Vous voyez, on fait extérieur, intérieur, extérieur. Ici à fond jusqu'au bout aussi. Dado à 4 secondes devant. Il a pris pas mal de temps. On bouffe ici. On refreine ici. On réaccélère. Ah là là. Il m'a pris encore un tout petit peu de temps, mais bon, petit à petit, il creuse l'écart. Extérieur. L'intérieur. Extérieur. Ça a failli pas passer. On relâche un peu peut-être ici. 4.
On accélère. Ah, c'est bon ça. Troisième. Et Dado s'est croûté. Dado s'est croûté. Un pas avant le noir ici. Troisième. On prend bien l'intérieur. On accélère en 3. Pas en seconde. Vous pouvez le faire, mais c'est un peu de temps d'axe, je trouve. Six. On élargit ici. On prend l'intérieur. On reste à droite. On fait des jolies trajectoires. Alors le prochain virage à gauche, on va bouffer l'herbe. Ici, bouffer le... Arrivé à la fin du truc rouge, on réaccélère à fond. On passe sur le truc extérieur, là. Voilà. On évite de déraper. À la bosse, on passe à 4. 3 ici. 2. Toujours gagner un filet de gaz. Voilà. Alors là, le prochain virage à gauche, on va légèrement lever le pied. Voilà, pour passer sans s'exciter. 4, 3, 4, 3. À fond, à fond, à fond. 4. On freine. 3. 4. 3. On accélère au milieu du virage en dosant. 3. On accélère ici. On freine. Bien très important la trajectoire ici. On peut ressortir doucement. On accélère. Voilà. Très mauvais passage ici. Je perds du temps. Normalement, il fallait faire plus à l'intérieur. Mais bon. Allez, à fond, à fond. Ah bien, ici, je récupère. Yeah. Ça, ces virages, qu'est-ce qu'ils sont bons. Accélère tôt. On peut rester en 3. On va passer la 3 ici. C'est pas obligatoire, mais pour bien décélérer, on va accélérer en 4. On relâche, on attend le début du vibreur et on accélère. Voilà. Ah, ça devrait être pas mal. Tiens, Romain Lignon qui est connecté. Un copain. Salut Romain. Bon, là c'est un tour qui est pas trop mal, je trouve. J'aimerais bien voir à combien ça va être sur, sur la fin du tour là. Mais je pense que c'est pas trop mal. Alors, espérons que je ne me plante pas dans le dernier virage, parce que ça peut toujours arriver. Le dernier virage, je freine un peu tard. On va voir. Ouh, tôt. Ouah, c'était pas joli, j'ai perdu du temps. Mais bon, c'est comme ça. Alors ça fait combien ça? Allez, 8,29,237. Je suis très content là. Bon, je vais m'arrêter ici pour gêner personne. Il me reste combien de litres de fuel? Il m'en reste 20. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un peu les trajets. Donc c'est un circuit où il faut vraiment choisir un setup qui soit vraiment, vraiment safe. Parce que là, le but, c'est vraiment de terminer la course, terminer vos qualifs, surtout ne pas mordre. Parce que
sur ce circuit, il ne faut pas se leurrer, vous sortez, vous vous pétez la figure d'une façon folle contre les rambardes et c'est fini la course. En plus, le taux est extrêmement long. Alors que je regarde, donc là, ouais, 8,24 quand même, purée. Alors, moi, j'arriverai jamais enfin, en tout cas, pas avec ce que je fais là en ce moment, à descendre en dessous, je pense, des 27. Ça va être très très dur. 8,24, c'est vraiment énorme. Dado est en 8,33. Bon, il va descendre, c'est évident aussi. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt. Ciao!